voici de retour pour la deuxième game de la journée, toujours en All for One avec une première victoire de la Team Fire. Ouais, la Team Fire décidément qui est en train de rouler, d'écraser même la concurrence, la glace. Après c'est normal, hein, en même temps le feu ça fait toujours fondre la glace, on le sait. N'importe qui a joué à Pokémon connaît ce genre d'interaction entre les deux éléments. Mais du coup, il va falloir demander à la team d'Océanie d'essayer peut-être de relever là-bas, au moins sauver l'honneur. C'est le problème, c'est que c'est l'Océanie face au Brésil. Or, l'Océanie, c'est pas forcément une des meilleures teams. Ah, et ça, on en parlait tout à l'heure, justement, ils ont pas de gros joueurs contre qui s'entraîner. Avec le ping, notamment, c'est assez compliqué. Il y a l'océan, tout ça, tout ça. Là où, finalement, du côté du Brésil, bah, c'est une région quand même qui a de très très bons joueurs. Bon, tout le monde connaît Revolta, il y a Yang aussi au niveau de la top lane. Enfin, il y a quand même un bon vivier de talent au Brésil, ça tourne extrêmement bien. Et du coup, je vois mal l'Océanie gagner. Après, voilà, on est comme sur un mode de jeu One for All où tout peut arriver, donc ne sait-on jamais. Ouais, tout peut se jouer sur simplement le choix du champion à utiliser. C'est vrai que les Brésiliens, ils en parlaient hier, ils n'étaient pas forcément rassurés. Ils étaient en train encore de chercher quel était le meilleur personnage à jouer. Oui, ils pensaient un truc tank. Ouais, bah écoute, je pense que les Brésiliens pourraient complètement partir sur le Lee Sin pour le coup. On a quand même des très très bons joueurs de Lee Sin dans leur équipe. Je pense évidemment à Revolta, mais Yang aussi est pas mauvais. Tu vois, c'est le truc, c'est que autant j'aime bien voir Lee Sin, autant je suis pas sûr d'avoir envie d'en revoir après avoir bouffé 5 dans une game. Bah après, si on se rend compte que c'est le meilleur personnage et que tout le monde le pique, bah ce sera parce que les gens se sont rendu compte que c'est effectivement le meilleur personnage. Tu prends Yasuo face à Lee Sin. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des. Après, le problème, c'est que c'est du blind pick. Donc, du coup, c'est un petit peu. Ça, tu sais pas exactement. Tu vois, t'es là, tu dis, ah, je sais qu'ils vont prendre Lee Sin, du coup, je vais essayer de pick Yasuo, mais tu sais pas forcément. Full Blitzcrank. Moi, full Blitzcrank, je valide. Full Thresh, sinon, c'est-à-dire que t'as un Thresh qui grab le mec. Pendant le grab, il prend la lanterne d'un autre Thresh pour s'éloigner, il prend la lanterne d'un autre Thresh et il le ramène à la fontaine. C'est vrai. T'as des trucs rigolos. Tu peux aussi permagrab quelqu'un. En fait, tu mets un grab sur quelqu'un, tu mets les deux coups qui tirent, l'autre grab qui touche, et en fait les personnes ne peuvent pas bouger. Ah bah oui, pendant, parce qu'en plus, quand tu touches ton grab, t'as une réduction de CD avec 40 ou 45%, ouais. T'arrives à 6 secondes, donc un truc comme ça. Je crois qu'à 2 ou 3 trèches, tu peux perma-grab quelqu'un en permanence, sans arrêt. Enfin là, tu t'arrêtes au moment où les trèches n'ont plus de mana en fait. C'est quand même assez horrible. Tu le build AP pour faire des dégâts avec le grab, tout va bien. Bon, pour l'instant là, t'as des chances de mourir, parce que toi t'es que sur un mec, mais. Oui. Pourquoi pas? Bah c'est des interactions rigolotes. Il y a Brand aussi qui a un peu la même stratégie. Parce que si tu mets un Q-spell dans Brand, le deuxième coup de spell, comme la partie de Sylvain embrasée, du coup tu peux mettre pas mal de dégâts. Et c'est vrai qu'en AOE, 5 Brand qui appuient sur R. La team du Brésil, elle est bonne, à part Yank pour moi, est peut-être le point faible de cette team. C'est pas un top laner que je trouve vraiment ouf. Mais c'est une team qui tourne bien, la team du Brésil. Hein. En plus, on a notre petit Frenchie qui est là-bas. Bon, forcément. Camille au mid qui est très très bon. Camille, il a bien carry sur certaines games, effectivement. Bah notamment avec son cassadin, il avait cassé des boules dans le mode assassin. Donc ouais, je pense que la team Brésil est peut-être une des meilleures teams Oster actuellement, avec la Turquie aussi qui Japon, a Japon, très Japon, bon et Japon ils sont à 3-0. C'est le problème, c'est que Team Fire en fait ils ont que des bonnes teams. Oui, presque. C'est ça. C'est vrai que ça s'est un petit peu marché dessus. Ouais, Turquie, Japon, Brésil, trois excellentes équipes. Là je pense que du côté de la team Ice, ouais, on s'attendait à ce que peut-être l'Europe de l'Est soit plus performante. Malheureusement en mode assassin, à mon avis ils ont ouais, ils ont grid. La vérité, c'est qu'ils ont ultra grid. Ils sont dit, on va prendre des kills, on va pas tuer les gens. Ouais, ceci dit, ils ont fait le beau jeu, quoi. Ouais, c'était beau jeu. Mais ils ont perdu. Ouais, malheureusement. Oh, Zach. Oh, Zach Rengar. Ah, par contre, alors, j'aime bien Rengar. J'aime bien Zach. Mais Zach Rengar, c'est Zach qui gagne. Happy Bio, il troll un petit peu. Un petit coup de blitzcrank, peut-être. Ça discute, Zach. Ah ouais. C'est vrai que Zach, c'est trop fort. T'as tellement de contrôle. Et puis même si Rengar, dégâts. À la base, si tu dis Rengar peut éviter les contrôles, mais faut qu'il ait ses 4 stacks. Ouais. Sauf que vu qu'il va être stun, il peut même pas mettre les stacks pour éviter les contrôles. C'est horrible. Zach, j'aurais bien aimé tu avoir les 5 Rengar, mais c'est compliqué. Ah, ça change d'avis. Ah. Ça change d'avis, ça part sur du Ezreal. Ezreal, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais c'est peut-être un des rares champions sans contrôle qui peut quand même réussir mais à. Tu les tues pas, les Zach. Tu les tues pas, les Zach. Enfin, après, ça dépend. En early, tu les tues. En early, le kiting de ouf de 5 S avec 5 Mystic Shots que tu te prends à chaque fois. Ouais. Non, ok, 5 S ça peut être rigolo. 5 S ça peut être rigolo, y'a pas de soucis. Mais ça va être. Enfin, Zach, le problème c'est que si la game dure trop, voilà, c'est fini, tu les tues plus. C'est le problème des tanks en fait en One for All, c'est. Le beau jeu est mort aujourd'hui. Bon, Ezreal ça va. Ezreal ça va, c'est rigolo. Tu vois, je pense qu'il y aura au moins un Ezreal AP qui va essayer de one-shot des gens. Ça manque d'originalité et de fun, hein. C'est vrai. J'aurais préféré Ziggs. Un peu cheesy. J'aurais préféré Ziggs ou des personnages qui ont des interactions entre elles. Par exemple, Syndra, c'est rigolo, tu peux l'utiliser avec les boules, les autres Syndra, etc. Ah, mais t'es limité à 7 boules maintenant. Ah, tu peux plus. Syndra. Ah, dommage. Malheureusement, Syndra, ça n'aurait pas fonctionné. Quoi, pour les stuns, bon. Pour le stun, il y a moyen. T'as genre 20 boules, tu les pousses toutes comme ça, t'as l'impression que tu peux tuer quelqu'un. Tu
coup, ouais. Tu maxes le E pour augmenter la largeur du cône. Comme ça, t'es sûr de faire plus de stun. Pourquoi pas, ça se fait. Et c'est où tu vois que Faker, c'est un génie. Avant même normalement que tu puisses jeter plusieurs boules, lui, il arrive à stun plusieurs personnes avec son E. Parce que maintenant, ça a été simplifié. Tu peux jeter plusieurs boules à la fois. Bon, un petit peu plus simple, mais pas de soucis. Max et les ailes, avoir les trois boules, E sur les trois boules, et du coup, t'as une espèce de stun qui part dans un cône. Impossible à éviter. Et t'as des joueurs avant que ces mécaniques existent, ils le faisaient déjà. Bah tout va bien. Bah oui. Bjergsen aussi qui l'avait déjà fait quelques fois aussi. Bon voilà, on est quand même sur deux joueurs, sur deux millénaires de qualité. À Sacrum, d'ailleurs, il paraît que Bjergsen, au niveau de son contrat, c'est assez compliqué pour lui chez TSM. J'ai pas regardé, c'est passé concrètement, quoi du coup. Il a un contrat de 3 ans chez TSM où il gagne 300 000 par an, sauf qu'il peut pas le renégocier. Là où tu vois que Faker va gagner plusieurs millions. Bah ça, il reste plus que cette année à tenir. Ouais, mais ça fait mal quand tu vois tous les autres joueurs qui touchent des millions et tout. C'est... Après, ouais, je vais pas pleurer non plus. Hein. Enfin, le mec qui s'est fait donc un million en 3 ans, ça, c'est juste en comptant le salaire, c'est sans compter les primes, les gains, etc. Bon, voilà. Hein. Est-ce qu'on est vraiment à un moment où on pense que 300 000 euros par an, c'est peu En fait, c'est pas peu, c'est par rapport aux autres que. Par rapport aux autres et la qualité du joueur, en fait. Il pourrait gagner plus, effectivement, mais bon, enfin, ça va, il est pas non plus à plaindre. Dommage pour lui, mais il survivra. Oui, aucun doute là-dessus. Et du coup, on a pris 5 Ezreal avec le même skin cette fois-ci. Voilà, la stratégie est respectée. Ouais, et c'est d'autant plus intéressant. Ah, mais avec les actes, t'aurais pu prendre des chromaqués. Enfin, des skins chroma et tu faisais la famille des barba papa. Trop bien. Mais après, je pense que c'est vraiment une stratégie pour le coup d'avoir tout le monde avec le même skin. Ça bloque complètement le focus adverse. Et sur les Ezreal, c'est intéressant parce que je pense qu'il y aura. Voilà, typiquement Swiffer, il est parti sur de la paix. On va aussi avoir Rosé qui va partir sur un surf. Un petit peu support pour essayer d'aider Redere à farmer. Donc c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir savoir quel Ezreal fait quoi, tu peux pas forcément savoir lequel va faire des dégâts magiques ou pas. Ça va peut-être un petit peu aider. Oh mon dieu. Mais non. Bon allez, moi je suis pour Dude. Hier c'est ce qu'on s'est dit aussi en fait. C'est... Teamfire, t'as du hood, forcément la France est représentée. On doit absolument être pour la France. Ça fait pas trop mal quand même, hein, les Ezreal, mine de rien, avec les Fishbell. Hey, t'imagines, tu prends l'essence flux niveau 1. Du coup, t'as max d'attack speed sur tout le monde. Avec le petit Z. Ça peut être sympathique au niveau des dégâts. On va rigoler le moment où il y aura 5 Zax aux ultis. Ouais. Ça va être tellement drôle. Je me demande si tu peux récupérer du coup les blocs de tes potes. Il va y avoir un Zax qui genre ultra régène et les autres qui lui donnent de la vie en fait. Espèce d'incantation. Ce serait drôle, n'empêche. Ouais. Tu mets visage spirituel sur tout le monde et dès qu'il y en a un qui est low life, ouais, tout le monde balance des spells et il se régène. Instant, il repart au combat. J'aime bien, hein. Franchement, si ça marche, c'est smart. Ouais, ah oui, 5 Colossus. Bah, en même temps, oui. Est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à autre chose? Double Warlord et un Ferveur du côté de Carbon dans la jungle. Bah, Thunderlord sur Zac, c'est marrant quand même quoi. C'est vrai. Eh, premier dragon, c'est un infernal par contre. On part sur un dragon infernal, why not? S-Jungle, alors c'est quelque chose qui à une époque se voyait quelquefois, pas à niveau pro, attention, hein, mais à solo queue à un certain niveau, du fait qu'il y avait des petites cheese qui fonctionnaient bien parce qu'en fait, niveau 2, tu allais directement dans la jungle adverse à un invade. C'était moins fort qu'un Lee Sin. Tu pouvais c'est kite quelque chose aussi. De marrant qui tu pouvais fait, vraiment kite. Après, ils ont changé, après avoir vu des Kale et des Twisted Fate Jungle Pop à droite à gauche, ils se sont dit que c'était peut-être pas si mal de mettre un truc qui s'appelle la patience avec du reset de creep. Hein. C'est vrai que sinon la jungle devenait ultra facile pour les champions avec de la range. Ah ouais, le Twisted Fate Jungle de Kikiz, on s'en souvient. Ah bah c'était quand même. Je trouve que c'était quand même une belle surprise le jour où Kikiz sort ça. C'est là que et en plus il détruit la game. Bon, c'est ce qu'a fait la femme des UL, hein. C'est avant le rework des Poppy Top. Ouais. Le Twisted Fate c'était des picks complètement what the fuck et qui marchaient. Parce que c'est bien beau de sortir un pick non conventionnel. Après, il faut réussir à en faire quelque chose. Non, c'est là où c'est marrant, c'est quand tu vois que des joueurs arrivent à trouver pas des failles dans le jeu, mais des choses inhabituelles qui fonctionnent, et du coup Riot est obligé de modifier le jeu pour s'adapter. Ouais, c'est comme si c'était d'ailleurs une idée. C'est le jeu, mais les joueurs. Ouais, moi je trouve que c'est une erreur de la part de Riot de brimer parfois, j'ai envie de dire, la créativité de ses joueurs. Bon, le banc peut-être de Carbon sur Yang, le Red Buff qui a touché. Ça va être compliqué bon, quand même. Après, niveau force de gank, Ezreal. Il y a un red buff. c'est pas les 5 lycines. En fait, ce qui est super relou, c'est qu'une fois que l'adversaire est sous tour, il peut se prendre max de poke et il peut rien faire. Là où on a quand même un Zac qui régène un peu, mais c'est la grande force d'un S qui gank en fait, c'est qu'il peut, voilà, il peut rester sous ta tour pendant 3 ans et te poke, jusqu'à ce que tu décèdes. Ouais, bah après, c'est un Zac, hein. Pour le coup, le poke, c'est pas forcément la mécanique du jeu qui le dérange le plus.
Ça va régène excessivement bien. Attends qu'il y en ait 5 avec des Blue Bill, des Trinité et des Fléaux de Liche. Lyon bah après, les actes vont être tous sous visage spirituel Randuin et. Ou Cap Solaire, je pense. Oh, Cap Solaire, ça va être horrible. Les dégâts. Bah, je pense que t'as un Zac qui prend l'abyssal, histoire d'augmenter les dégâts magiques des potes. Voilà, juste un seul, ça suffira, pas de soucis. Bon, j'espère que Camille va partir sur quelque chose de quand même. Bon, le Zac AP, on ouais, peut. C'est hein. Ça. C'est quand même très très fort, hein, Zac AP, mine de rien. Le burst du champion est quand même loin d'être négligeable. Ouais, t'as un ratio de 0,7 sur le E, qui a déjà des dégâts de base assez énormes. Je crois qu'on est à 270, hein, comme le Q-spell de Malphite. Ouais, t'as un bon ratio aussi en pourcentage de points de vie sur le Z. Ouais. Non, c'est intéressant, et puis avec de la PN magique, c'est un pic qui tourne super bien. Et surtout en fait, même si les ratios sont pas forcément très hauts, notamment sur le R, comme tu appliques plusieurs fois les dégâts, ça fait que ton AP quand même se réapplique de manière très très régulière. Ça fonctionne un peu comme Amumu dans l'idée. Ouais, Amumu, t'as le T-Burst d'Annie, la Sunfire aussi qui a des trucs pas mal comme ça. Enfin, t'as plein de persos finalement où t'as des ratios parfois faibles, mais avec des CD tellement courts que sur une même durée, t'as un ratio AP plus élevé qu'un gros mage à burst avec des CD longs. Ouais. Il a du all-lane là au niveau du Brésil, ma foi, qui arrive pas spécialement bien à farm. C'est compliqué quand même. Hein. Ils sont un peu poche tour. L'avantage c'est qu'ils sont contre quand même deux champions. Ah, il peut pas ramasser les blocs de son pote. Ouais, ah, c'est décevant. Ah si Non, je crois qu'il a explosé par fin de temps. Il me semble, okay. Hein, parce que juste avant il était dessus. J'ai pas l'impression. Ouais, j'ai cru la même chose que toi, mais après il en a ramassé un que je pensais pas être à lui donc. Je sais pas, on revérifiera. Ouais. Par contre, ceci dit, 5 Zac pour aller faire un dragon infernal, ça prend 2 secondes avec le Z. Ouais. Avec le E aussi, avec le burst. Du qui de poke au maximum. Revolta qui va arriver. Est-ce qu'on peut avoir un gang? Peut-être, c'est compliqué sur Ezreal. Quand même très mobile. Il va pas y aller. Il va pas le tenter, Revolta. N'ose pas, la petite fronde. Bah, Météos aurait été heureux avec Zac. C'est là vrai. Où on parlait de Lee Sin tout à l'heure, finalement. C'est vraiment un maître étalon, Météos, de la jungle. Pas forcément de la bonne manière, mais c'est un maître étalon, je dis rien. C'est ça. Après, en plus français qui est vraiment très bon, Marex, qui joue énormément Zac et qui se le fait ban à chaque tournoi. Oui. On l'a vu en Underdogs d'ailleurs, Marex. Ouais. Ouais, c'est un des premiers qui avait ressorti Zac. Et... avec brio en l'occurrence. Bon, après, c'est vrai que ça va être dur pour les Zac de faire le premier coup d'engage en fait, parce qu'avec le transfert arcanique. Bah, t'es obligé d'attendre d'avoir un item tanky au moins, quoi, avant de te dire on rentre dans le tas et c'est pas grave si on encaisse des dégâts. Bah, le problème en fait, c'est que le premier slingshot il va forcément pas toucher parce que les S sont quand même très mobiles. Ça risque de poser des problèmes. Par contre, là, une veille peut-être de PBO et de Dude. Ouais, je vois Camille peut vraiment pas aller chercher Swiffer, c'est compliqué. Quoique, cette fois-ci, le bump il va toucher, on va mettre beaucoup de bump. Swiffer qui va avoir beaucoup de mal à se déplacer et le first blood récupéré. Par Camille, j'ai l'impression qu'il va tomber. Est-ce qu'on peut pas défendre peut-être le passif de ce Zac? T'as deux espèces de bouncers qui arrivent pour défendre le canapé. Ah, il n'aura pas pu la défendre malheureusement. PBO, il prend beaucoup de dégâts du coup. Flash out PBO et Rosé qui va essayer de mettre un dernier petit Q-spell qui ne passera pas. C'est pas grave. Le first blood récupéré par ces Zac. Ils vont quand même être derrière en termes d'argent parce que c'est vrai qu'en termes de farming, c'est bien plus compliqué pour eux. Ah, le snitchot touche pas malheureusement. Dans ce cas, en lane, tu max le Q-spell forcément. Une fois que tu commences à ralentir le S, ça peut être pas mal. Ouais. Revolta qui est parti sur les Lucidi Boots extrêmement rapidement. Le Red Buff qui n'aura pas réussi à être hostile avec le barrage Térébrant. Bien dommage. Et finalement, au niveau de la jungle, ça reste plus ou moins even. Sur la top lane, pareil, mais c'est au bot où c'est bien plus difficile. C'est tellement dur de farmer contre des Ezreal. Tu fais poke en permanence, tu peux pas t'approcher, t'as pas de range. T'es obligé de maxer le Q-spell, c'est quand même très délicat. Faut qu'ils attendent d'avoir un peu de résistance. C'est ça. Tant qu'ils auront pas, comme vous l'avez dit, visage spirituel plus un bon petit objet d'armure, comme Cap Solaire, rendu 1, enfin bref, ce qu'on veut, ça va être compliqué. Oh, attends, sur un mid lane, par contre, il y a le Négatron qui a été fait sur Camille. Est-ce que ça annoncerait pas un Abyssal? Il pourrait faire Abyssal, ce serait quand même très intéressant. Ouais, parce que S, ça a comme 30% de dégâts magiques de base, même si par AD. Pourquoi pas, ça fonctionne bien. L'Arcane Shift, l'Essence Flux et le Barrage Térébrant font des dégâts magiques. Ce serait pas déconnant du tout comme thème. Et Rosé qui a maxé son Z d'ailleurs, on a vu des dégâts sur Dude, j'avais pas fait attention. C'est un spell qui a le plus de base damage. Oui, et c'est aussi le spell qui a le meilleur ratio AP, je serais sur des dégâts magiques. C'est intéressant. L'autre avantage aussi du Z, c'est que quand tu es contre avec que des Ezreal, si tu l'as maxé, bah du coup tu donnes quand même énormément d'attaque speed à ton équipe. Il y a un ratio AP sur attaque speed donné Non, mais quand tu level up le spell, du coup, si tu maxes, en fait. Ah oui, ok, forcément. Ouais. Effectivement, Yang par contre qui met pas mal de dégâts sweeper. On voit au bout d'un moment, de toute façon, Ez malheureusement, bah voilà, t'as le back l'arme de ADS.
le fameux backlarm de ADS. C'est et ça. Là, t'as une phase avec ton S où t'attends patiemment et tu souris. Smile and wave. Ouais, Swiffer voilà. Par contre, avec ça son... passe. Swiffer avec le Morello, il va faire quand même beaucoup, beaucoup de trous dans cette équipe de Zach. Espèce deux énormes masses gélatineuses qui se précipitent sur les minions pour les détruire et avec les minions qui disparaissent avec ce skill en plus de bombe à eau. Morello, la lame du bourre est quand même vachement plus efficace parce que le Morello finalement faut quand même que tu baisses les HP de ton adversaire, le triple slingshot. Si quelqu'un s'avance, il va prendre tellement cher Raider. En fait, il y a le transfert organique quoi. Même si et les flashs, hein, ils ont double flash, le heal. Ouais. C'est-à-dire que ouais, c'est un bête d'engage. Je pense que dans les teamfights, à terme, ça va être très fort l'équipe brésilienne. Mais la phase de lane est tellement compliquée, mais partout sauf au top. Bah c'est un peu la même histoire qu'on a eu sur la game précédente avec les Grecs, qui étaient quand même en grosse domination dans la lane, forcément, parce que ça push beaucoup plus facilement, ça a de la range, c'est très très fort sur la tenue de lane. Après, c'est vrai qu'une fois que les Lee Sin ont commencé à passer niveau 6, à pouvoir mettre des ganks et à positionner leur contrôle, c'était bien plus difficile. Ça risque d'être un petit peu la même chose là pour ces Ezreal. On a 5 cendres de Bami, 4 cendres de Bami pardon, qui ont été récupérées du côté de la Team Fire. C'est bien CRP je trouve quand même. Ouais. On est dans un bon timing. Et j'ai l'impression qu'on va faire Abyssal Sunfire pour Camille. Ouais, bah il faut un Abyssal je trouve dans cette team. Enfin, t'as tellement d'alliés, tous tes alliés font des dégâts magiques, 10% en plus, voilà, tu craches pas dessus. Ça fonctionne même sur la Sunfire, je pense, y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À partir de là, tu prends ça, ils peuvent tous partir limite avec des bottes de sorcier, petit déguisement hanté, et après tu pars full tank. Voilà. Oh, Camille peut-être sur Swiffer, bah non, transfert à Camille. Ouais, non, là, stuff identique sur tous les actes. Tu fais bottes de sorcier, Liandry, bon, juste déguisement hanté au début, un seul abyssal dans la team, et le reste c'est visage spirituel, Randuin, Sunfire, GG Wallplay. Oh, Camille qui va toucher, il va aller plus loin malheureusement. Il n'a pas envie d'aller all-in avec son ultimate. Voilà, le POC qui commence à être bien moins efficace quand même du côté de Swiffer. Après, c'est normal, c'est le Q-Spell. Il est parti AP, du coup, il a pas beaucoup de dégâts physiques. Il faut réussir à forcer en fait un des Ezreal. Il utilise son transfert arcanique. Ah, dommage, ils sont arrivés un petit peu trop en même temps. Du coup, bah, Redderic va pouvoir les punir sur ce get-back. Ça va être vraiment sur du timing en fait du côté de ces Zac. Ouais. Un premier slingshot avec peut-être le Zac le plus tanky, arriver dans la mêlée, forcer les transferts arcaniques pour que derrière toute l'équipe puisse plus facilement poser ses contrôles. T'as le bait shot en fait, et après faut que les autres soient déjà. Ils aient déjà anticipé le placement pour être à portée pour mettre les autres slingshots pour qu'ils touchent. Ouais. C'est pas le plus simple, hein. On se retrouve avec triple Zac sur la botlane. Attention, est-ce qu'on va toucher peut-être un sur Rossé, on se rappelle un Pignot qui a encore son passif. C'est Dul qui ne l'a plus. Flash out de la part de Pibio. Oh, le TP en plus pour protéger le. Pour protéger le passif, Yang qui met beaucoup de dégâts sur Carbon, ça peut suffire, Yang, il va finir par tomber, le passif qui va être détruit a priori, aucun problème. Ah, que non, il y a notre TP, on va le protéger au maximum. C'est vrai que les TP pour le coup avec une full Zac. Ouais, ça suffira pas malheureusement, on a cramé beaucoup beaucoup de ressources là, du côté de la Team Fire. On rappelle qu'en plus la Team Ice a déjà récupéré un Dragon Infernal, le Oh il a fait Zrod Camille. Oh non. C'est ça lui. Oh non. Alors je ne suis pas d'accord. Même en GA tu vois j'aurais préféré. Un GA, tu vois, au moins tu dis bon, allez, c'est marrant, il reste non-stop, ok. J'aurais préféré Abyssal plus Sunfire, mais soit. Zrot, bon. Ah, ils vont faire quoi, 5 Zrot? Je ne sais pas, déjà. Imagine un pinta Zrot sur une lane, comment tu la dépoches? Tu fais 5 Zrot, 5 bannières de commandement. Voilà, tu laisses ta lane push jusqu'au bout. Ah ouais, et après tu t'amuses pas beaucoup, parce que bah, c'est pas toi qui joues. Bah, c'est ça, enfin, surtout que la Team Fire, ça y est, ils sont qualifiés pour les All-Stars, enfin. Voilà, c'est demain ils vont jouer les brackets, etc. Il y a pas de souci. Ouais. Ils auraient pu y aller vraiment en mode fun. Ouais, mais après il y a quand même l'honneur du joueur. De rien. On a quand même beaucoup de dégâts qui n'est pas retombé. Ouais, l'honneur du joueur, mais enfin l'honneur du joueur quand les joueurs te disent bah on n'a pas trop trade, on sait pas, je sais pas faire dans 1v1. Tu vois qu'ils sont là. Soit t'es là pour le fun, soit t'y es pas quoi. Ouais. Non, c'est pas cohérent. Moi je vais bouder les joueurs. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de ce Zrot, voilà, qui est bien zoomé en plus. Hein. Je pense que Camille il a pas envie de laner en fait, et du coup il va juste mettre un Zrot pour que la lane push naturellement. Je pense qu'il va aller, ailleurs peut-être. Le Zrot, cet item horrible. Tu vois, j'aime bien l'idée de la rédemption, j'aime bien le vœu de chevalier. Le Zrot, bon, je crois que c'est.
J'aime bien le concept derrière le Zrod, de pouvoir donner une gestion de lane en fait à des champions qui sont censés pouvoir tanker et pas pouvoir gérer le push de lane. Sauf que d'ailleurs, ils ont déjà la Sunfire, il y a quand même d'autres options qui les rendent déjà très fortes. Bah ouais. C'est quand même très difficile de gérer. Oh, tu qui va se faire, qui va prendre un énorme getback. C'est possible, par contre, ça va toucher sur Carbon qui devrait tomber avec le burst monstrueux de la part de ces Zac Carbon. Voilà, qui va finir par tomber. Ça roule dans tous les sens. Énormément de blobs à récupérer. Swiffer qui va peut-être essayer de mettre un petit peu de Q-spell là. Non, il va pas jusqu'au bout. Au niveau des golds, on est quand même à 3K gold d'avance pour cette team Ice. Les larmes de ADS qui se stack hein, petit à petit. On a déjà une mana mune qui est up. Et il faudra attendre au moins encore un petit peu moins de 10 minutes pour la Muramana. Mais il y a la lame du bourreau qui a été faite tout de même du côté de Raider. La lame du bourreau qui est l'item obligatoire, quoi. C'est une condition sine qua non si tu veux gagner. Ouais, effectivement, parce que ça, pour Morello, risque de pas être suffisant. Ça, c'est bien fait hein, de viser sur. Voilà. L'idée là qu'ils ont utilisée est quand même très très bonne. Dans le sens où on va en fait utiliser le plus de. Ouh, attends, par contre, Raider qui est pas très bien positionné là, il va pouvoir faire transfert à Kalnick. Oh oui, c'est suivi par Revolta, énorme move. On va pouvoir prendre le kill a priori, aucun problème. La dernière Q-spell, une auto-attaque simplement qui va pouvoir prendre le kill. Et on devrait aller récupérer ce dragon des montagnes pour cette équipe de Zac. Revolta 3-0-0, tout va bien pour le jungler. Ouais. Finalement, voilà, on sent qu'il connaît son taf, il reste un petit peu dans son domaine de prédilection. C'est un personnage plutôt habituel, Zac en jungle. Rien de vraiment surprenant, le chase qui est fait tout de même. Voilà, un Zac, ça s'échappe de très très loin. Je crois qu'on est à 1550 de range sur le slingshot à niveau max. On a fait un stick par contre, hein, le passage, le petit coup de smite rouge sur le Zac avec les dégâts bruts. C'est une barre de vie qui descend assez rapidement. T'es obligé de faire Blue Terka Liandry en fait, vu que c'est des sacs à PV. Ouais. Et t'es obligé après de pénétrer tout ça, donc de faire de la. Un Void Staff et un Lord Dominique. Ah non, mais Lord Dominique, mais non, t'as le Mortal Reminder qui est obligatoire. Oui. Bah oui, forcément. Vu que tu fais ta barque du bureau, du coup, forcément. Ouais, quoi que. Bon, ah, en fait, il y en a un seul qui fait marque du bourreau, sinon il l'a fait proc avec son barrage térébrant sur tout le monde. Non, et le après, barrage les autres font Lord Dominique. Fait des dégâts magiques. Et ça proc que sur les dégâts physiques, ça proc sur tout ce qui touche, je crois. Non, c'est les dégâts physiques, la marque du bourreau. Il me semble. Ah, bah, que... Ça donne des dégâts physiques, mais il me semble que ça proc sur tout ce que tu touches. Je suis pas vérifier. Sûr. Bah, je suis pas sûr, tiens. C'est. Regardons. Ah ah. Ah, pour le coup, voilà, nous sentons que voilà, les commentateurs sont perdus. Les dégâts physiques infligent des hémorragies aux champions. Ouais, par contre, je sais pas par contre, si sur le rappel mortel, c'est encore uniquement les dégâts physiques. Alors, voyons voir. Bon, on va. Regardons les informations, c'est important tout de même, même dans le détail, je ne sais pas. Ouais si, c'est les dégâts physiques, physiques en effet, autant pour moi. On va dire qu'il se positionne sur Swiffer qui va prendre quand même beaucoup de dégâts. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences à être pris dans cette espèce de tsunami de blob qui te roule dessus, c'est très très compliqué pour s'en sortir. On a qu'à se faire transfert arcanique malheureusement. Côté Camille qui va essayer de wave clear un petit peu, Swiffer qui va se faire toucher. Pas de problème, par contre ceci il a plus le transfert arcanique, vu qu'il ne touchera pas malheureusement. Oh, on a deux Zrot en préparation en plus. Oh, la team full Zrot, ça va être magnifique. La non. Team Fire, team beau jeu. Oh non. Team beau jeu, ils vont faire une armée. Non mais go Abyssal. Moi dans ce cas je propose 5 Malzar, 5 Zrot, 5 bannières de commandement. Voilà. Voilà. Écoutez les gars, on a une armée. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Bah l'avantage avec Malzar, au moins c'est un petit peu RP, tu vois, c'est des créatures du vide, donc il y a un truc qui se passe quoi. Que Zac il est pas du vide, c'est un barbe à papa. Ouais, et il a un peu de zone en plus. Donc. C'est juste une créature créée pour je sais plus quelle, je sais plus c'est quoi exactement l'histoire de. Pour un film nommé Flubber. Après il savait pas quoi faire, il l'a mis dans LOL. Et du coup, on a 4ème Zrot en préparation, pas que 3, le 4ème est en préparation sur la top lane, y a pas de soucis. J'espère qu'il va des bons dégâts sur Yang. Transfert arcanique out et on va pouvoir continuer à trade à l'infini. C'est très très compliqué pour les Zac. Moi je veux voir ces 5 Zrot sur une même lane. Voilà, mais... quitte à partir dans le sale, tu vas dans le sale jusqu'au bout, tu fais 5 Zrot, 5 bannières de commandement, tu mets sur la même lane. Ah non, bannières de commandement ça marche que sur les creeps canons. Oui. Ah, du coup ça sert à rien d'en avoir 5. Tu peux en avoir qu'une seule en fait, parce que vu qu'avec le nouveau pop en plus des sbires canons maintenant. Quoique, ouais, mais du coup t'as un sbire canon tous les 30 secondes, donc ça passe. Avec oui. Le CD interne, en gros, à chaque fois qu'il y a un sbire canon qui pop, tu auras un sbire canon amélioré. Chaque pop. C'est ça. Si tu calcules avec lane, ça peut être amusant. Voilà, tu mets à chaque fois Zrot avec. Bon. Peut-être qu'il en faut deux, du coup, effectivement, les bannières de commandement. Je crois que c'est quoi. C'est 2 minutes le cooldown de la bannière. Je crois, ouais, 2 minutes. Du coup, là il en faut 4. Pour être 3. Être à chaque fois, être sûr d'avoir
Un peu offre, c'est quand même dommage de jouer de cette manière. Alors qu'il y a vraiment moyen de s'amuser un petit peu avec de l'abyssal, mais des dégâts très intéressants. Ouais, franchement, voilà, moi je voyais bien le stuff. Oh, un seul abyssal va arriver sur Swiffer. On essaie d'anticiper, d'anticiper, ça ne passera pas du tout. Flash qui a été claqué tout de même de la part de Swiffer. On fait attention. Ouh, on a le petit barrage térébrant pour nettoyer la lane. La Trinité qui devrait bientôt être terminée du côté de Raider. L'arrivée de Dude sur la top lane. Est-ce qu'on va essayer de push cette tour? Le slingshot extrêmement loin tout de même. Deuxième slingshot. Il pleut des Zac. C'est exactement ça. It's raining Zac and Dog. I'm singing in the rain. C'est horrible. C'est horrible. Tu vois des splashes de partout. Cette game n'a aucun sens. Et Rosé qui est là, I'm happy again. Alors qu'on Swiffer qui va prendre un bump ici, la tour qui va tomber malheureusement. Camille qui n'aura pas pu la défendre. Et on sent mine de rien que les dégâts magiques de Swiffer qui a beau être. De Swiffer pardon, qui a beau être à 0-3 commencent à faire la différence parce que bah, on a eu aucun build de résistance magique dans cette équipe de Zac. Le gars se met des dégâts sur Redere et Revolta qui va slingshot out. Ou l'arrivée de Camille par contre, le beurre sur Rosé peut-être. Il n'a pas été plus loin, il n'avait pas le cooldown de slingshot flash out. C'est beau. L'arrivée de Revolta, pareil, un nouveau slingshot, mais on n'a pas d'autres Zac. On ne peut plus faire pleuvoir de Zac, c'est terminé, gang, pareil. Il pleut des Zac partout dans cette game. Partez 45% de CDR, full slingshot. Mais oui, c'est ça qui full Gomu Gomu no punch. Et il y en a un autre, il y en a un autre. C'est pas fini. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens cette game. Mais il y a quand même un certain sens esthétique. Hein. Même du côté de CLS. Tu m'étonnes que tu deviennes dingue quand tu vois des trucs comme ça. T'essaies de t'échapper, mais t'as les mecs qui vont à 1550 de portée à chaque fois. C'est énorme. D'ailleurs, je ne connais pas la distance de la map. Le carré de la map, il fait combien sur combien en portée? Hein? Bah, tu sais que chaque. Le carré de la map, il fait combien sur combien en portée? Ah. En distance lolienne. Je ne sais pas. Parce qu'on te dit, les sorts font 1550. On sait pas quoi, 1550, voilà, c'est une valeur sans unité. Mais on va dire unité lolienne. Mais combien fait une unité lolienne? L'unité lolienne, c'est le Timo. Et ça fait pas 1550 Timo quand même. Non, ça fait plus. Ça doit faire 4000 Timo, quelque chose comme ça, je pense. C'est peut-être du 4000 Timo par 4000 Timo. À voir. Ça me semble bien pour compter. Hein. 4000 Timo. Pourquoi pas? Et du coup, tu veux dire qu'en. Non, bah non, ça voudrait dire qu'en 3 bons Zac, tu fais le trajet de la map. Tu fais pas le trajet en 4 bons Zac. Tu vois, il y a un problème. Il y a un problème, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Nous avons en tout cas l'armée de Zroth qui commence à se mettre en place. Seul PBO a gardé une âme, pour le moment en tout cas. Hein. Son âme est encore intacte, mais peut-être pas pour longtemps. Il a fait de l'armure derrière. Il faut quand même falloir faire un petit peu de résistance magique à un moment, messieurs les Zac, parce que les transferts, les. Ouais, mais toi, tu vois, ouh, ça. Carbone qui s'est vu un petit peu trop beau là. Ne pas faire de transfert Arcanic In, je pense que tu l'as appris à tes dépens. Camille qui va récupérer ce kill. Deux gros mecs balèzes qui viennent et qui font non. Ouais, et là, les trades, ça commence à être plus compliqué quand même. Hein. Avec l'ultimate en plus de la part de Yang. Les dégâts sont bons sur Swiffer. Swiffer qui est un petit peu dans la difficulté dans cette game. Transfer Arcanic. Ouh, flash out de Swiffer. C'est bien positionné comme de la part de Yang, il n'a pas pris de coup de tour. Mais par contre, back. Barrage térébrant. Il tente, un Swiffer, il tente, mais il met tellement pas de dégâts en plus. Voilà, tu peux te cacher derrière les fameux creeps de Zroth. Le double Zroth sur la top lane. Et en plus, ils ont deux dragons des montagnes. C'est-à-dire que là, en termes de push de tour, ils ont aucun outil pour le faire. Et en fait, ils se donnent les outils pour push de tour. C'est ça, c'est. Voilà. La map a été adaptée pour eux, pas de soucis. On a une téléportation pour venir sur la top lane pour Yang. Il faudrait défendre cette tour, même si, enfin, face à un double. En tant que Aze, mais tu repousses pas un double Zroth en plus. T'es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps. Bah, il essaye, hein. Il est là en train de mettre des Q-spells en permanence. Mais ça risque d'être un petit peu délicat, malheureusement. Après, il est en train de commencer sa Lich Bane. Oh, Revolta qui arrive. Dieu, il va falloir attendre le transfert arcanique. Tu es trop loin, malheureusement. Ouais. Moi, ça me fera toujours marrer cette pluie de Zac. C'est. Et là, ce qu'il faut se mettre dans la vue des Ezreal en fait, qui n'ont pas du tout la vision sur les Zac. Donc, tu es vraiment sur la lane, et puis d'un coup, tu vois une espèce de damas de trucs bleus qui te tombe dessus. On appelle ça la pluie. Oui, mais c'est une pluie qui. Une pluie gluante. Un peu lourde. Une pluie visqueuse, super. Ah, on n'a pas craqué le transfert arcanique, malheureusement. On va pouvoir push cette terrain, ça y est, c'est parti. Le push est lancé, on a bientôt le 5ème Zroth qui va terminer. PBO a enfin perdu son âme, ça y est, lui aussi. Ah, c'est une stratégie d'équipe, hein. On sent vraiment qu'il y a une grosse macro game derrière. La décision de faire
full throttle. Par contre, Jude, petit bémol, pas très précis sur sa speed shot, j'ai l'impression. Non, il a pas besoin, il a un throttle. C'est vrai. Oh là, il non, mais du coup, voilà, moi maintenant je veux voir 5 bannières de commandement. 5 bannières de commandement et tu boostes tous les creeps du noyau. Dans ce cas, vraiment, t'y vas à fond. Moi, voilà, quitte à partir sur une strat un petit peu comme ça où tu te dis, on va pas vraiment, tu sais, jouer le. On va aller chercher les fights et tout, machin. T'essaies de jouer la strat jusqu'au bout en mode, écoutez les gars, on va avoir une armée, vous allez pas pouvoir l'arrêter. Auquel cas, bon, tu te dis, c'est une espèce de Winian amélioré. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je valide. Du coup. Par contre, Camille, tu peux prendre peut-être le duel sur Sweeper. Oh, il a pas le temps de le faire, le transfert à Kanigatan. Heureusement, ça pourra éviter le premier Q-spell. Camille qui va prendre quand même pas mal de dégâts. L'arrivée de Sweeper, forcément, il n'y a aucune résistance magique. Et Camille qui va pouvoir s'en sortir, mine de rien. C'est quand même très très compliqué d'aller tuer ses Zac. La pluie qui va arriver peut-être sur Redere. Il le sent arriver. Il y a de l'orage en l'air. Un petit peu, quand même. Est-ce qu'on va enfin prendre cette terrain top quand même? On arrive à 25 minutes de jeu, hein. Là même les Zac peuvent la tanker, y'a pas de soucis, ils prennent 0 dégâts. Elle tout récupérer. Oh les dégâts, il a dû quand même 2 dégâts. Flash out de Pibio, il va essayer de se rapprocher un petit peu de son équipe pour pouvoir se protéger pendant le passif. Carbone qui va essayer de prendre le plus de dégâts possible, ça ne passera pas. Ah, j'ai l'impression que le Z de Ezreal ne fait pas de dégâts au blop. C'est vrai, c'est comme c'est considéré en fait, comme des minions. Ah oui, ça fait pas. Tu peux te TP dessus. Ouais, et du coup, tu peux pas les aider. Ce qui retire quand même beaucoup de puissance de. Ouh, attention, Yang qui va arriver. Yang va finir par tomber quand même sous les coups de Redere. Ah, ils ont moins de gold, hein. Ils ont moins de gold, les CBLOL, y'a pas de soucis. Mais même en ayant moins de gold, malheureusement, tu ne peux pas les tomber. C'est terminé. Tabi Ninja, on commence. Du coup, on a pour l'instant 2 Lucidity Boots, 2. Un Tabi Ninja qui est terminé, encore quelques bots rangs tout de même. Mais le baron peut tomber extrêmement rapidement, le Z faisant des dégâts en pourcentage de HP. Finalement, les Zac avec deux dragons des montagnes, ouais, pourraient très rapidement faire cet objectif. Et finalement, du coup, ajouter aux poches. Ouais, puis si on rajoute à ça le fait qu'il y ait quand même énormément de cendres de Bami dans cette game, ça fait quand même des dégâts réguliers très très importants. On rappelle aussi que les Zac ont tous Courage du Colosse, hein. Du coup, dès qu'ils font leur signature sur un adversaire qui touche, même l'ultimate, voilà, il gagne un shield qui est assez insane. Ouais. Donc déjà que Ez, ça a du mal à tomber les tanks, là c'est encore pire. Ouais, en plus il a 6-0 pour le coup, Revolta, c'est vraiment le Zac qui est le. Oh là là, bien qu'il l'attendait. Ah dommage, Rosé, il s'est fait un petit peu avoir là. Un pick-up de plus, est-ce qu'on va pouvoir peut-être aller chercher du push pour ces Zac? C'est compliqué quand même de s'approcher des lanes, mine de rien. Malgré voilà, cette armée de Zroth. On va revoir l'agression sur Pibio. Ah, la distance entre deux Nexus est égale à 19 000. Voilà. Et du coup, les coins top lane, etc., c'est environ 13 500. Merci beaucoup de l'information. Ah, du coup, il faut quand même. Ça fait un sacré paquet de Timo. Il faut un peu plus de 10 E de Zac pour traverser la map, quand même. De fontaine à fontaine. C'est vrai. Et là, on se rend compte que quand même la range de E de Zac est quand même intéressante. Oui. 10, mine de rien, c'est pas tant que ça. Alors, à première vue, ce seraient les 3 premières équipes de la Team Fire qui seraient qualifiées pour le bracket demain et la première équipe de la Team Ice. Du coup, c'est pas pour rien que les teams jouent en fait. Je pensais vraiment que le bracket se jouera entre Team Fire. NP. Ah oui. Mais alors, y'a quoi comme item encore qui peut être fait pour les AK actuellement? Vœux de Chevalier, Rédemption, Ange Gardien. Toujours pas le visage spirituel, il va falloir quand même avoir un moment. Qui est comme Corbule sur Zac, on rappelle visage spirituel de ACDR, la résistance magique des HP, donc les HP qui se calent extrêmement bien avec le passif de Zac. Passif de Zac, chaque spell coûte 4% de HP restant. Ouais, il va peut-être s'en sortir, Redere. Mais chaque boulette vous rend 4% de vos HP max, donc voilà, vous vous régénérez. Plus le passif du visage spirituel qui augmente les soins reçus, concrètement, c'est. Il n'y a pas mieux comme item sur Zac. Voilà, vous avez besoin de CDR, vous avez besoin de HP, etc. Ça fonctionne très bien. La cover de la part de Pibio avec l'ultimate, justement. Et on voyait une époque des Zac qui volaient des dragons comme ça, en fait, et même des barons, en faisant un slingshot par-dessus le Drake ou le Nashor Pit en faisant le smite pendant le vol. Ouais. Il y a quelques vidéos comme ça qui tournent. C'est toujours très rigolo de voir le Zac passer par-dessus. Il y avait les Ekarim aussi qui faisaient pareil. Ah oui, avec la charge des ondes. Tu traverses comme ça, tu mets un smite, tu continues à courir. Ne faites pas attention avec moi, je ne fais que passer. Je suis là. Troisième Mountain Drake qui va pop. Là, c'est Bellol. Pourrait aller le récupérer. Hein. Le Brésil devrait même en profiter. Quitte à y avoir un accès assez aisé finalement. Ils peuvent pas se faire arrêter à aucun moment en fait. Concrètement, si à tout hasard la Team Fire, hein, la Team Brésilienne décide de se paquer,
pourront pas se faire arrêter par la team Ice. Voilà, il n'y a pas assez de dégâts sur des Ez. Là, effectivement, t'as 5 Tristana, 5 Vayne, ça se passe différemment, mais... Volta, il est tellement bien dans sa game, c'est compliqué quand même. 8-0-1, le Zrot, il a fait plaque du mort d'ailleurs, Revolta. Tout de même, il va chercher un petit peu de dégâts supplémentaires. Et il partirait pas sur Tornmail, après. Ouais, j'ai une Tornmail sur la mid lane là, du côté de Camille. Mais ça manque toujours d'un Abyssal, mine de rien. Parce que l'amplification de dégâts de tous ces Zacks serait juste complètement insane. Toujours pas de résistance magique en plus. Il faut attendre, hein, parce qu'au moment où Swiffer va être bien dans sa game, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et on a pareil aussi hein, du côté de Rosé, avec son Ezreal un peu plus orienté support, qui va quand même partir sur beaucoup beaucoup de dégâts magiques. Et qui a fait la bannière de commandement d'ailleurs pour répondre à tous ces ZZ Rot. Bah je crois qu'en fait t'as pas le choix, et puis bon c'est un thème qui a quand même des stats qui sont assez intéressantes. On a les Muramana qui sont stack normalement, il n'y a plus qu'une larme de ADS qui doit être terminée de stack d'ailleurs hein, du côté de Rosé. En théorie, c'est là bien stack avec ses Mystic Shots. Et là, on pourrait commencer à avoir des dégâts pour ses Ez. Le problème, c'est qu'on est déjà tellement tanky. On a les trois dragons des montagnes du côté de la team brésilienne. La Tourmide qui va enfin tomber. On commence vraiment à prendre l'ascendant. On est à presque 2 Kagol d'avance. Et on va chercher fight. Double slingshot sur Raider. Est-ce qu'il peut s'échapper? Malheureusement, pas le... Oh oui, le flash que je dis. Le juke. Malheureusement, c'est le Zac. Du coup, ça court partout. Incroyable, le Ju, il est mort de rire, ça aurait pu passer, il force quand même deux flashs dans le mauvais sens. Très très bon move de sa part. Fallait le tenter justement. Sylvain Julie, is that you? Aïe. Bon du coup voilà, ça aurait été peut-être le move amusant actuellement de la journée. Plutôt pas mal. On va le revoir justement. Et là, le superbe flash. C'est marrant parce que de l'autre côté, il a pas la direction. Après, non, il se laisse pas avoir. Hein. Et tu reviens directement avec la plante rouge. Avec, les nouvelles plantes, ça devient de moins en moins possible de faire ce genre de petite juke. Il y a le même au niveau du Nashor. Enfin, autour des pits, en fait. L'extérieur des pits. Parce que t'as le petit buff qui est juste devant. Donc tu diriges vers le bush et tu flashes en arrière. Enfin, tu diriges vers le pit et tu flashes en arrière. Après, voilà, ça marche entre guillemets normalement contre les bons joueurs qui vont s'attendre à ce que tu fasses le flash dans la direction classique. Ouais. Face à des gens qui n'ont pas de logique à bas niveau, ils vont retourner dans le bush en mode il a du flash là, tu vois. Et c'est là que tu vois que les logiques sont pas les mêmes, c'est au niveau. Alors, double snapshot, on a quand même réussi à toucher Carbone qui a pu s'échapper à peu de choses près. Il y a le flash. Il va toucher. Le deuxième qui touche, en plus, c'est Revolta. C'est lui qui est le plus feed actuellement. Revolta qui met beaucoup, beaucoup de. Dégâts, l'arrivée de Pidio peut-être pour aller chercher Carbone. Et là, ça commence à être compliqué quand même pour ces Ezreal de rester en vie. On s'arrête jamais. Oh, Revolta qui rate son screenshot, mais c'est pas grave. No need. On va simplement exploser. Si tu rates le E, fais le Z. Tout va bien. Ça fonctionne bien, c'est Zach. Bon, c'est marrant. C'est tout de même marrant, moi, je trouve, de voir comme ça des pics, des gros trucs qui se tombent dessus. On rappelle d'ailleurs que le passif caché de Zach, entre guillemets, c'est que plus il a de HP, plus il est gros. Plus il est gros. Simplement. Oui. Et c'est des HP actuels, hein. C'est pas des HP max. Ça veut dire. Oh, c'est génial! C'est génial! Il pleut! Ça bouille! Une averse de Zach. Et sa maman lui disait qu'il était gros pour son âge. Voilà. Il va tomber, puis Bio, est-ce qu'il est passif? Il est passif, puis Bio, aucun problème pour lui. Comment est-ce que. Il manquerait plus qu'il fasse des anges gardiens à la fin, tu ne les tombes plus jamais. Voilà. Tu as une compo 5-4 rocks sinon dans le même genre. Bien. C'est dommage en fait que. Que les seuls Ezreal AP en fait soient aussi mal dans la game. Un petit peu manque de réussite je pense de la part de ces joueurs d'Ezreal. On voit hein, à chaque fois les barrages terriblement, ils font quand même de gros trous dans les barres de points de vie. Carbone qui joke. Bah parce qu'ils ont pas pris de RM, y a pas de visage spirituel encore. Enfin, bah oui c'est pour ça. Je sais pas à quel moment tu dis face à des Ez, tu fais pas de visage spirituel. L'item est tellement bon sur Zach même s'il y a quasiment pas d'AP en face. Ouais, y'en a en plus un dégâts. L'item est trop bon quoi. C'est. Enfin même face à une full AD je crois que je le ferai sur Zach tellement que c'est bien. Ouais. Il t'aime ultra. C'est un peu comme rentable. Sur Mundo quoi, c'est la même idée. C'est ça. La région apportée est tellement importante, plus la CDR, voilà, c'est des personnages qui profitent énormément de la CDR. Bon, c'est un thème pas mal. On a pris sur Camille le Randuin. Ok. Randuin, Zrot, Tornmail, Sunfire. On craint les dégâts physiques mais pas les dégâts magiques, c'est assez amusant. Ouais, du côté de Camille, bon après ça a commencé quand même à mettre quelques boîtes. On va mettre énormément de contrôle dans les teamfights. Ça aurait pu jouer je pense du côté de cette team Ice. Si Ezreal était un petit peu mieux dans la game, malheureusement voilà 0-4-0
pour le seul Ezreal, vraiment full AP. 0-2 pour le Ezreal support. Carbon qui va prendre beaucoup de dégâts. Carbon qui fait 7k est au maximum, mais ça ne suffira pas. Pourtant, il a mis du slow. Hein. Il a activé le slow du Cold Glass, ça ne suffit ah, il a clairement tenté, pas. Hein. Il a tenté, mais bon. T'as 5 gros trucs qui t'arrivent dessus. Bonjour. Ça manque de... C'est là, tu parlais du coup des HP actuels des Zac qui soient plus ou moins gros et ça se voit justement. Ils ont un stuff quasiment équivalent. Ouais. Mais t'en as, c'est des petites crevettes. Alors que d'autres sont bien plus balèzes, bien plus imposants. On voit un qui est en train de back là, qui est tout petit. Alors que Camille qui est full life, qui est juste immense. C'est la famille des Zac. 1, 2, 3 screenshots. 4, le cinquième qui va finir par toucher. Redery qui va essayer de kite au maximum. Redery, le carry AD hein, de cette composition de Team Ice. Ça ne va malheureusement pas suffire. Ouais, quoi que. Pourquoi pas, non, ça n'arrivera pas. Revolta qui va crucifier ses derniers embryons de résistance ezreelienne. Et on va pouvoir aller probablement terminer la game. N'empêche, heureusement qu'ils ont les trois dragons des montagnes, hein. Ouais. Sinon ça aurait été extrêmement long d'aller prendre cet objectif. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Peut-être, Yang, justement, le premier courage colosse. On récupère un nouveau kill. Cette maîtrise est incroyable. Ces joueurs utilisent à la perfection et la méta de la saison 16. C'est un ace du coup pour cette Team Fire qui va terminer la partie. En 36 minutes, félicitations à l'équipe du Brésil qui donne un point de plus à cette équipe Fire qui ne va laisser aucun espoir à la Team Ice. Ouais, du coup la Team du Brésil qui va passer à 3-1 actuellement. Il le tue pas en plus, Yang. Il avait 50 HP, c'est pas grave, il a régène, aucun problème. Du coup, attends, ça veut dire qu'on a l'Asie, alors... l'Asie du Sud-Est qui sont... Ouais, ils sont pas ouf actuellement, ils sont à 2-2. Ah non, 3-1 pour le coup, ouais, 3-1. Après, on va voir quoi qui va jouer. Nous allons retrouver la Turquie face à l'Amérique latine du Sud. La Turquie qui, pour le moment, ont tout de même un joli score de 3-0. Ouais, les joueurs turcs qui ont été excellents jusqu'à présent. Ouais, c'est une team qui tourne super bien, la Turquie, justement. C'est... Pourquoi pas? Bah, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un déséquilibre entre les teams Ice et Fire. Hein. C'est... Gros déséquilibre, en tout cas. Ouais, et les joueurs qui ont quand même la banane, mine de rien, c'est vrai que c'est le genre de mode de jeu. C'est tellement what the fuck, tu peux même pas dire oh non j'ai perdu. Parce que bah, ça n'a juste aucun sens en fait ce qui se passe à l'écran. Félicitations du coup à cette équipe brésilienne qui va rajouter encore 50 points de plus dans la cagnotte de la Team Fire. Très bien. Bon, effectivement, Ezreal. Ezreal c'est limité. Je pense que ça marche très bien, sauf quand tu tombes contre full tank. Bah malheureusement ouais, c'est le courage du colosse en plus qui leur rajoute des HP, t'as déjà tellement de mal à les tomber. Mais bon, voilà, on a vu des pluies de Zac, c'était quelque chose que je n'avais encore jamais vu dans ma vie. J'ai découvert un petit peu tout ça. C'était une jolie découverte. Alors du coup, prochaine game, Turquie-Amérique latine du Sud. Mais alors ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on a vu deux fois des 5v5, mais avec des personnages différents. C'est vrai. Et j'espère encore une fois que la prochaine game, on verra quelque chose encore différent. Je pense pas qu'actuellement, les joueurs se soient dit, voilà, on a trouvé quelque chose qui est OP, on va copier les joueurs précédents. Donc c'est déjà une bonne chose, pas comme les Diana on a vu hier, quoique on n'a pas vu Diana chaque game non plus. On a vu pour l'instant... Là, moi, je verrais bien du Rengar et du Kha'Zix. Ouais, le Rengar qui avait été suggéré d'ailleurs hein, par cette équipe Ice. On l'a vu avant de choisir pour partir sur du Ezreal, ils étaient partis sur du Rengar. Ouais, après Rengar face à Zac, malheureusement, t'aurais pas fait grand chose quoi. Ça aurait été plus compliqué, effectivement. Après Ezreal, t'as pas fait grand chose non plus, donc c'est un peu la difficulté. Bah en fait, c'est le problème, c'est que si les adversaires partent sur quelque chose qui est plutôt safe, un peu tanky, pour gagner justement, hein, y a une logique à vouloir gagner, ok. Mais malheureusement, si toi tu te dis, bah moi je vais jouer un truc assez fun, t'as de grandes chances de perdre parce que les tanks sont forts en ce moment. On a une interview. Oh my goodness, what a fun game. I want to start off by asking about your draft. You all went Zac, you all went Courage of the Colossus, and you all took Teleport. What was the strategy behind that? Eu falo pra você primeiro? Pode falar pra ele. Bom, a gente basicamente tossou bastante champion ontem, mas o Zac foi o que mais deu certo. A gente conseguia perder bastante coisa no early game, mas depois era muito difícil o outro time conseguir fightar a gente. E a gente às vezes derrota para segurar a side lanes, então por isso que a gente optou por essa estratégia. So we had a lot of strategies last night on our screens, and this was the best one that we thought. We built ZZ routes so we can push the side lanes, and we had a lot of struggle during the early game, but after mid-late game, we just knew we got it. Yeah, because the Oceanic team went in very confident with Ezreal, but obviously it kind of fell apart. Were you guys a little intimidated after the picks? Did you think early game, oh, we're going to struggle, or did you think, oh, we've got this?
Na verdade, a gente jogou contra o EZ de Zac, a gente treinou de EZ também, então a gente ganhou, a gente foi muito bem no treino de Zac, então a gente não ficou muito surpreso. A gente sabia que ia ficar muito atrás no early game, mas depois de primeiro item e segundo item, assim, não tinha como eles fightarem a gente e basicamente era só fechar o jogo. So actually, yesterday we had a scrim that we were playing Zac against EZ, Israel. So it was nice, amused for us. But we knew that after our first or second item, we knew that we would struggle during the early game. But after that, we just would have it. Excellent. And finally, I just want to ask, because you guys are good friends with the Oceanic team, do you feel bad for what you've done? Do you feel guilty at all? Bom, a gente é amigo deles, mas a gente tem que pensar no nosso, na gente primeiro, né? Então, eu me sinto um pouco mal, assim, porque eles nunca vão muito na frente do wildcards, mas acontece. Yeah, we're really good friends, but once we're here on stage, we have to think about ourselves first. Yeah. I feel a little bad about them because they never seem to get ahead on wildcards, but yeah, that happens. Excellent. Well, again, thank you so much for talking to us and congratulations on the win. Best of luck for the rest of the tournament, and now it's time to throw it over to Seifer at the desk to break down that game. Thank you very much. Et Yang qui assume, enfin qui affirme lui-même qu'effectivement il se sent un petit peu mal d'avoir fait ça, mais une fois qu'on est sur la scène, bah, il faut gagner. C'est ça, le but c'est la victoire, à n'importe quel prix, avec ou sans âme, peu importe. Voilà. Après au moins c'est rigolo Zac, c'est quand même un champion. C'était amusant franchement de voir des Zac tomber comme ça, etc. Tu savais que les S pouvaient pas gagner, ouais. De toute façon à aucun moment de l'histoire ils peuvent gagner ça, mais c'est amusant. Ils peuvent snowball leur lit, mais genre vraiment t'as une fenêtre d'opportunité qui est genre épaisse comme ça. Ouais, si à tout hasard tu mets 5 sur une lane et que tu te dis vas-y on tue des Zacs en chaîne dès qu'ils arrivent, ouais. Ça demande en fait beaucoup d'erreurs adverses plus que de plays de S, ouais. Parce que bah t'es assez limité quoi. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais du coup on va pouvoir se laisser pour une petite page de pub. La prochaine affrontement du coup ce sera la Turquie contre l'Amérique latine du Sud, toujours sur du One for All. On va voir si les équipes vont repartir sur ce qui a marché, Lissine ou Zac. Ou est-ce qu'on aura peut-être quelque chose d'un peu différent. A priori, quand même, les contrôles ont un gros, gros impact dans ce mode. A tout de suite. We'll be right back.
Ben buraya gelmeyi gerçekten istiyordum. Geçen sene de bizim için bir hayal kırıklığı olmuştu. Çok talihsiz bir şekilde Amerika'daki All-Star'ı kaçırmıştık. Yani buraya gelmek güzel bir şey. Sonuçta ne bileyim bir şekilde ülkenizi temsil ediyorsunuz burada takım arkadaşlarınızla beraber. Dark Passage kadrosundan 4 kişi var. Şu anda yeni Supermassive, şu anki kadrosunda 3 kişi var o yüzden. Bir de hep beraber oynadığımız için daha önceden Dumble hariç. 4 kişinin sinerjisi çok yüksek. Dumble da zaten ayak uydurabiliyor. Bütün yıl boyunca rekabet ettiğimiz takımlarla takımdan oyuncularıyla. Hani şu an aynı takımda oynamak benim için bir sorun değil. Daha doğrusu zevkli bir şey diyebilirim çünkü hani ne kadar farklı oyuncuyla oynarsan o kadar fazla tecrübe kazanıyorsun. Farklı hani görüşlerle oyuncuların nasıl konuştuğunu anlıyorsun. Yeni şeyler ekliyorsun sürekli kendine. O yüzden hani rekabetten çok zevkli olduğunu söyleyebilirim. Bizim takımın en büyük avantajı bence hepimizin yani Avrupa sunucusunda daha önce challenger olması. Yani düzgün bir serverde oynuyoruz. Mekanik seviyesi yüksek bir serverde oynuyoruz. O yüzden mekaniklerimiz daha iyi seviyede aslında. Lig Türkiye Ligi olunca tabii ki de bilirsin milliyetçilik kanı bizde çok damardan gelir. O yüzden hani Türkiye'yi temsil etmek, yurt dışında başarılı olmak en baştaki önceliklerimizden. Bu takım olarak yaptığımız her şey Türkiye'yi temsil ediyor direkt olarak. Eminim ki diğer hani bütün oyuncular da aynı şeyi düşünüyordur. Ve de ben şahsen hani en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Yollarken gerçekten Türk milleti bir Türk takımını yurt dışına yollarken çok iyi destekliyor. Biz de bunların karşılığını vermek istiyoruz en iyi şekilde. Asıl All-Star'a kalıp hani bütün dünyaya bayrağımızı, takımımızı, her şeyi göstermek istiyoruz. Et de retour pour le troisième All for One. Turquie contre Amérique latine du Sud, ou alors Amérique du Sud-Sud. Amérique du Sud du Sud, effectivement. C'est quand t'es vraiment au Sud, quoi. Principalement les joueurs chiliens, en fait, hein, dans cette line-up. Il y a un joueur uruguayen, qui est Uri. Uri de l'Uruguay, voilà, effectivement. Du coup, on va pouvoir rentrer directement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette prochaine game de One for All? J'avoue que, est-ce qu'on aura encore des nouveautés un petit peu à apparaître? Est-ce qu'on va repartir sur des picks qui ont fonctionné? C'est vrai que Zach, ça va l'air assez assez rouleau compressant. Bah ouais, une fois que t'as deux trois items, tu fais des dégâts naturels qui sont assez intéressants. T'as du CC qui fait proc le courage du colosse qui est en ce moment la maîtrise extrêmement forte. T'as des dégâts quand même assez conséquents et avec le build du Zrot, ça fonctionne très bien pour le push. En fait, t'allies énormément de force sur un seul personnage. Ouais, c'est vrai, du coup t'as beaucoup de choses à offrir. Je pense qu'il n'y a aucun personnage du jeu qui a du contrôle, des dégâts qui sont suffisants pour taper des tanks et du wave clear. Quel personnage a ça? Bon, on avait dit Vayne. Ouais, Vayne. Vayne statique. Après, wave clear, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'en blind pick Vayne, on avait dit 5 Vayne, tu te manges 5 Caitlyn. Terminé, c'est au revoir, fin du game. Les Lee Sin aussi, je pense que c'est compliqué. Oh, Yasuo, tu prends des Yasuo, tu prends des... Yasuo, enfin, ouais. Des Fiora, des Bruisers, tu prends des Bruisers en fait. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, c'est qu'on en parlait hier pendant les 1v1 avec Ellie justement, et il n'y a pas de Bruiser. Normalement, les Bruisers, c'est un peu le champion fait pour 1v1, c'est fait pour gérer un petit peu des mécaniques, des choses comme ça. Il n'y en a pas eu du tout. On a eu des mash control, on a eu des tanks, on a eu des carry AD, on n'a pas eu un seul Bruiser. Parce que 5 Fiora, etc., il y a un moment où tu peux faire un truc, 5 Wukong. Ah bah, tu peux speed push à 5, mais du coup, c'est vrai que c'est plutôt efficace, quoi. Y a pas grand chose. C'est vrai que Wukong, pour le coup. Après Wukong. Après Wukong, est-ce que c'est un bruiser? Quand t'as 5 Wukong en ulti qui rentre dans le tas, faut y aller. Non, mais y a... Le problème de Wukong, c'est que si tu dois tuer des hacks, t'y arrives pas. Ouais. Non, mais y a forcément quelques picks par-ci par-là, même des ADC, etc., avec assez de range, ou assez de dégâts, ou assez de ou des mécaniques un peu à la con pour prendre 5 tanks. Et on est parti dans cette troisième One for All. Eh, on pourrait potentiellement avoir la Vayne, justement, on en parlait. Je pense que Vayne, c'est pas trop mal, honnêtement. Vayne.